Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'histoire CM2. La leçon du jour, la monarchie absolue. C'est parti. Pour cette leçon, on va avoir trois compétences. Première compétence, je connais le nom des dynasties royales jusqu'à la Révolution. Deuxième compétence, je connais le nom des rois qui ont gouverné en France au XVIIe siècle. Et enfin, je connais quelques informations sur Louis XIV. Les rois de France. Au cours de son histoire, la France a été dirigée par différentes dynasties de rois. Alors une dynastie, c'est une succession de rois qui appartiennent à une même famille. Une dynastie prend fin quand une autre famille prend le pouvoir à la place de la précédente. Donc une famille de rois s'appelle une dynastie. On a un petit tableau avec les dynasties des rois français du Moyen Âge. Les Mérovingiens et les Carolingiens, on les connaît déjà. Ensuite viennent les Capétiens, les Valois et les Bourbons. Donc Mérovingiens. Le règne a commencé en 466, s'est terminé en 751. Le roi le plus célèbre, c'est Clovis. Ensuite, on a les Carolingiens de 751-987, avec comme référence Charlemagne. Viennent les Capétiens de 987 à 1328, avec Hugues Capet. Les Valois de 1328 à 1589, avec François Ier. Et enfin, les Bourbons de 1589 à 1792, avec notamment Henri IV. Alors évidemment, dans chaque dynastie, il y a eu une succession de plusieurs rois. Les dates sont très importantes. Par exemple, pour les Mérovingiens, leur règne a duré près de 300 ans. Donc évidemment, plusieurs rois se sont succédés. Voilà pour les principaux rois de France pendant le Moyen Âge. Les rois du XVIIe siècle. La France a été dirigée pendant la première moitié du XVIIe siècle par les rois Henri IV et Louis XIII. Louis XIV devient roi à la mort de son père Louis XIII en 1643. Il n'a alors que 5 ans. À 5 ans, Louis XIV est trop jeune pour gouverner, donc c'est sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui la seconde, qui dirige la France. On appelle ça la régence. Donc la régence, c'est la période pendant laquelle Anne d'Autriche était au pouvoir, puisque son fils, Louis XIV, était trop jeune. Il n'avait que 5 ans au début de son règne. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul en maître absolu. En maître absolu, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs. Il décide de tout, tout seul. Il considère qu'il a été élu par Dieu. Donc il dit, c'est Dieu qui m'a mis à la tête de la France. Donc j'ai tous les pouvoirs et je fais ce que je veux parce que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. On appelle ça une monarchie absolue de droit divin, absolue parce qu'il a tous les pouvoirs, de droit divin parce qu'il dit que c'est Dieu qui l'a placé ici. La fin du règne de Louis XIV est marquée par des famines et des révoltes. Et pour finir, voici un portrait de Louis XIV. La leçon est pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur La Classe Plus.